Bonjour YouTube, comment vas-tu? Alors, il est pour toi, ça fait. Excusez-moi, je me barre pendant que je parle, évidemment. Pour toi, il n'y a pas de différence. D'habitude, c'est toujours la semaine. Et pour nous, ça fait un petit moment qu'on n'a pas enregistré. Parce qu'il faut savoir qu'on est le 28 février, on est lundi 28 février, qu'il est 23h40. Je commence très tôt ce soir parce que je vais me coucher tôt, je pense. Et qui fait actuellement une température extérieure de 4 degrés. Et donc il fait moins chaud que la dernière fois, il me semble. Et puis voilà, nous, ça fait. Moi, ça fait genre une petite semaine que j'ai pas joué à Final Fantasy. Donc voilà, on va y aller, quoi. Je sais plus trop où j'en étais. J'avais vidé le ferrier. J'avais farmé un petit peu pour que Lulu ait ses magies X, il me semble. Au Blitzball, je pense que j'ai un tournoi à faire, mais comme je disais sur Twitch tout à l'heure, étant fatigué, je vais pas faire de Blitz parce que si je fais le tournoi de Blitz, c'est 40 minutes de Blitz et j'ai pas envie de vous infliger 40 minutes de Blitz. Non, je pense plutôt qu'on va continuer à avancer l'histoire pendant un petit moment et pourquoi pas, si l'occasion se présente, faire du Blitz après, mais d'abord l'histoire. Lady Yuna, we've been expecting you. We were surprised you decided to come so soon. Pleasantly surprised, of course. Lord Seymour sends his apologies for having left without notice. It's quite all right. I have one question, if I may, sir. Milady? I want to keep journeying. Even if I marry, do you think that Maester Seymour would let me? But of course, my lady. Lord Seymour wishes nothing else, I'm sure. Goodbye. Well, we must follow Grotto tradition. I'll have to ask you to wait here a little while longer. I'll send someone to escort you. We're all with you. Do as you will. Thank you. Sorry. That was your line. Yuna! Yes, sir! Oh no! Hello! Ouais, non, ils ont dit oh non, je m'en vais. Ça va, je comprends. Comment ça, il y a des mobs? Mais foutez-moi la paix, on est occupé là en fait. Ah oui. Ah oui, c'est vrai que. Oh oui, c'est vrai que je les ai up. Oh oui. C'est un brasier qui veut lui. Oh, un petit brasier plus. On va pas faire le brasier X. On se le garde pour là. Voilà. On va se garder les PM parce que ça coûte cher la magie quand même, sans déconner. Ça coûte très cher. Oh là là là. Ces XP en pagaille que je me tape. Sans deck. Oh non, il a cassé l'auto, eh oh. Stand back. Thank you. Thank you. Lady Yuna. Lady Yuna. Ah, je suis devin. Queen Bunalwick magic, you'd aeon you came at. Oh no! Translation? He's gonna use an anti-magic field on us. Oh, pas tout à fait dit ça, mais. Il a dit avec ça fini la magie des chimères, mais voilà quoi. Après, je parle albed couramment, donc forcément, est facile pour moi de traduire tout ça. Du coup, je vais pas pouvoir utiliser la magie avec Lulu, c'est dommage. Ok, donc le seller albed. Donc il faut que je pète ce petit bordel pour pouvoir récupérer la magie et les chimères. Hors de portée, évidemment. Allez, je peux pas faire de magie blanche non plus. Très bien.
Sauf que Waka, je pense que Waka, il ne fait pas les 1000 de dégâts. Oh si, il a pris beaucoup de force sur le dernier hop. Il a pris beaucoup de... Ah oui, c'est vrai qu'il riposte aux attaques physiques. Ah. On va pas faire subjuguer parce que j'ai la flemme de secouer le joystick. Alors attends. Attendez deux secondes. Je remets Tidus pour voir. Il craint la foudre. Voilà, c'était pour être sûr. Tac. Magie noire. Ah, je sais pas les magies X. Ah, je pensais que j'avais les magies X. Pardon, autant pour moi. Autant pour moi. Je suis pas plus avancé que ce que je pensais. Il riposte aussi à la magie. Bon, c'est chiant. C'est-à-dire qu'il a représailles et riposte. Waka a attaqué, donc Waka, on va le faire sortir. On va voler avec elle, rideau de lune, pourquoi pas. On va mettre Kimari. Je pense pas qu'il y ait de technique à voler, mais bon, on sait jamais. Voilà, Kimari a joué. On est content. Deux tours avant le rayon magique, très bien. C'est vrai que je peux faire ça aussi. C'est vrai que je peux faire ça. Bon allez, on va se secouer un petit peu les la manette. Pas mal. Pas mal, pas mal. Bon, 3500, c'est pas énorme. 3600 à peu près. Ouch. Ça fait mal. Ça fait mal. Oh putain, j'avais pas vu, j'ai les messages. Attendez. Oui, c'est sûr que l'albed, oui, bon voilà, c'était la facilité pour l'adapter à toutes les langues terriennes, on va dire, mais oui, voilà quoi. Et rebonsoir du coup. Rebonsoir à tous, je sais pas depuis combien de temps vous êtes là. Mais je disais que ça va être assez court, parce que je suis très fatigué. Ouh, Kimari fait 0 dégâts. Ah non, il va me faire un rayon magique. Alors, il me semble que la technique, c'est pour rayon magique, tu envoies une chimère en sacrifice. Il me semble. Il me semble que c'est ça la technique. Voilà, il fait 0 dégâts. Et ouch. Allez, combien tu mets? 1000, 2000, 2500? 1000, ok. 1065, très bien. Au revoir, Ixion. Merci d'avoir joué, Ixion. Ah, bah, du coup, on continue. Hein. Foudre plus. Ah, oui, mais non, mais oui, c'est vrai qu'il riposte, putain. J'avais complètement zappé qu'il ripostait. Waka. Ok. Est-ce que j'ai appris vie avec elle? Oui. Très bien. Très très bien. Pourquoi le... J'ai mon chat qui est un tout petit, du coup j'avais pas vu le message que j'avais eu. Un peu chiant. Hop là, c'est mieux. C'est mieux. Alors Waka ne fait aucun dégât, très bien. Ça marche. Anime magique, je sais pas si. Ah, il a garde évidemment. Dommage. Bon, Oran, on s'en fout, il va tanker. Hein. Local magie et les chimères, oui, bon. J'ai pas suivi, il en est où du compte à rebours là? Parce que. Il y a moyen qu'en fait il me tue maintenant. J'ai pas suivi. Oups, je n'ai pas suivi. Yep, elle est cool, ouais. Elle est très très cool. Attends, mais il va attaquer souvent après Tidus. What the fuck? What the fuck? En vrai, je sais pas quand c'est que. J'ai pas fait le dé. J'ai oublié de compter.
Ah bah, bon, la vie, elle défait pas ses ceintures pour se déshabiller. Bon, mais Valfort, c'est ton tour de te faire sacrifier, vas-y. Vas-y, foudre. Vas-y, fais tes 300 de dégâts, là. Waouh, 700. Bravo. Ah, tisser leur albed. Très bien. Ça neutralise les magies et les chimères. Mais bon, comme je suis actuellement avec une chimère, ça ne va pas l'enlever, je pense pas. Un tour avant un rayon magique. D'accord, très bien. Ah oui, du coup, il peut pas faire le rayon magique parce que... Ah oui, connard. Il s'est auto... Il s'est auto... auto-baisé. Ah oui, c'est vrai qu'il a ça. Aïe. Aïe, 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 aïe. Est-ce que ça bloque mon overdrive? J'en sais rien du tout, ça. Aïe, 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 aïe. Ouh. Mon écho. Mon écho. Mon overdrive n'est pas bloqué. Très bien. Allez. Combien? Attends, attends, attends. Quoi? Quoi? Nani? Il tapait du 2000 encore il y a pas longtemps. Hein. Il s'est passé quoi? De 2000, je passe à 8000. What the fuck? Bah, très bien. Cool. Merci, Valfort. Ils partent comme si de rien n'était. Bah, oui. Aistra guardian of Yuna, Wika? Yuna kva, Fafem Kindran, Krak kva. Tudrek ye moha, Kegden. I told him I was a guardian. Well, guess I had to, really. How come you speak out bed? Why? Because. I'm Albed, and that was my brother. Why didn't you tell me? We knew you'd be upset. Pourquoi on te l'a pas dit? Parce que t'es un raciste, enculé. I can't believe I've been trapped with an Albed, a heathen. Allez, on peut pas abandonner Waka. On le laisse ici. But you Albed used the forbidden machina. You know what that means? Sin was born because people use machina. You got proof? Show me proof. It's in Yevon's teaching. C'est autant plausible que Sin est né des machines que parce que toi t'es roux en fait. On pourrait dire Sin est né parce que les gens sont roux. Ben non. En fait. Parce que t'es con, à la limite, oui. Il me vénère. Oh. Nothing will ever change that way. Nothing has to change. You want Sin to keep coming back? There might be a way to stop it, you know? Sin will be gone once we atone for our past mistakes. When? How? If we keep faith in Yevon's teachings, it will be gone one day. Why do I even bother? Bah oui. Riku. Discuter avec un con, c'est terrible. Yes! We're not using that, are we? Wait. Sir Aron is an Albed too, is he? Si, si, on est tous Albed, allez. Ta gueule, on est tous Albed, va-t'en. I mean, getting angry just because you found out Riku's an Albed. You guys got along fine till now, didn't you? That's different. I mean... Well, I don't claim to know that much about Spira. And I probably know even less about the Albed, but... I know Riku's a good person. She's just Riku. Lou? Just think of this as an opportunity to learn more about the Albed. Ha! Let him go. Give him time to think. I'm sorry. You've done nothing to apologize for. All right! Let's ride! You sure you know how to drive this? Better.
better than Kimari does. Sinon, les demi-tours, tout ça, ça va. On se fait pas trop chier. Pourquoi? Parce que c'est un vieux con raciste? Non, on est habitué. C'est un petit peu notre chat Marie Le Pen. Il râle tout le temps, mais bon, il nous fait bien rire dans les repas de famille, donc on le garde. She's not a bad person. Yeah. You know what the problem is? She's just another albed to Waka. Waka's head is as hard as a rock. I bet it's because of Yevon, or you know, something like that. Well, there's more to it than that. Hmm? Waka doesn't like the albed because of his brother Chaku. Mais on l'a déjà dit ça. He used a Machina weapon, right? And got killed by Sin. Killed by my old man. Damn you, Jack. What? No, nothing. Hey, can someone, like a human, become Sin ever? I can't say that I know. But why? Just a thought. Sin is the punishment for, and the incarnation of crimes we have committed. So no one really knows what it is. Mais t'es pas où toi, t'es crépus. C'est différent. T'es pas Waka. You run or you fight. That is really all you can do. There's no sense brooding over it. What, that's all? I mean, you don't even wonder. You really do come from a world where there is no sin, like you say. Coffre. Alors, est-ce que par hasard je peux le faire à pied là? Je peux le faire maintenant le chemin? Ah ouais, mais aïe, je peux jouer? Je veux bien que j'ai été pris par surprise, mais là ça fait un peu beaucoup quand même, non? Merci. Et j'y crois pas. Ils m'ont pas laissé jouer. Comment on s'arrange? Je vais en buter un. Direct. On va faire ça. Tac, tac, tac. On va, voilà. Et j'ai buté les deux rapides. Putain, ils m'ont enchaîné. Du coup, je vais peut-être pas faire ça, parce que je crois que je peux le faire sur le retour, ce chemin. Tu peux me confirmer si on le fait au retour ou pas? Je m'en rappelle pas. Je crois que je le fais à pied sur le retour. Je m'en rappelle pas si on passe à, si on le fait entier ou si on est coupé un peu milieu par une cinématique ou un truc comme ça. Alors, tant pis, on va repartir. Voilà. J'ai perdu ma bande. Donc, je... Non. Je me rappelais pas qu'elle était là. Il est là, mon milieu. Ah oui, c'est vrai que toi, t'en es pas là dans le jeu. Ouais, bah, voir toi. Non, là, il va y avoir du spoil, donc non. Elle est là. 900 gils par match, quand même. Non, c'est Lina. Hein. C'est Lina qui a la pleine félicité. Elle dit aussi plus tard. Oui. Oh bah oui, alors là, Kipa, tu dégages mais d'une force.
Nice. C'est cool. Lumnik ne devrait plus être un problème maintenant. Ouais, je crois que c'est ça. Peut-être pas celle qui tient le stand, mais à côté du stand, il y en a une. Il me semble que c'est Lina. J'en suis quasi sûr. Que après, elle se déplace parce que là, elle a rien à faire là. Elle y est parce que, ben voilà, elle a... Elle s'est fait abandonner, quoi. Mais sinon, elle sera plus tard à la pleine félicité, c'est sûr. Halt! The likes of her are not welcome in this hallowed place. She is a guardian. And I'll bet a guardian? Preposterous. Decided to be Yuna's guardian now. And that's all. Ouais, vas-y, dis-leur. And that's all one needs to be a guardian. Very well. Eh, prie pas pour lui. Allez, deux connards prient entre eux là. Cordialement, courtoisie, machin chose. Niquez-vous là, point de sauvegarde. Ah, there you are. Mr. Seymour and Lady Yuna. I couldn't be happier even if it was my own wedding. Now victims of sin will have something to be joyful about. Yeah, I guess so. You're not happy? Nah, it's complicated. Say, do you know where Yuna is? I believe she's gone to the Cloister of Trials with Maester Seymour. $5,000. Oh, bonjour. La maxi potion. Lord Jisco. A sphere in Lady Yuna's belongings. Pourquoi tu fouillais les affaires, connasse? Pourquoi tu fouilles les affaires qui sont pas à toi, wesh? C'est un crime. Ça s'appelle. C'est un crime. Le gros là, il veut pas jouer blitz. Je sais que c'est un bon gardien. On les croise pas, enfin on les croise en tant que musicien, mais on croise pas leur, les membres de leur espèce. Enfin, on croise pas leur famille, leur village, etc. C'est dommage. This may well answer a few questions. About to tell you is the unclouded truth. I swear it on my honor as a Quado. Listen to me very carefully, for I shall tell you the truth about my son Seymour. His mind is closed, even to me, a maester of Yevon. But I can feel flames of darkness burning in his heart. He is using Yevon, the Quado, and even the summoners. If he is not stopped, he will surely bring destruction and chaos to Spira. I will leave this world soon, killed by my own son. But I do not fault him. Because I was not wise enough, he has suffered and become twisted. I could not protect him and his mother from the world and its cruelty. I will accept death as punishment for my deeds. But whoever is watching this, I implore you to stop Seymour. Stop my son. Wonderful. Will Yuna be all right? Without us, no. Where you going? You saw, didn't you? Seymour's bad news. But he's a maester. Fine. Stay here if you ouais, want. Laissons-le là, on s'en fout. Come on, Waka.
Let's at least hear him out. This can't be happening. Tout le monde se barre, moi je vois un coffre. J'y vais. Bonjour le chat. Pas de Manuel Albed à l'horizon, non. Pourquoi tu fouilles dans les affaires des gens surtout? C'est ça la vraie question. Connasse. Alors on va se regarder, il y a Waka qui s'est ramené encore une fois. Allez. Et on va se faire chier dans le temple. On a combien? 30 minutes de VOD? Oui, ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Qu'est-ce que tu branles par terre, toi? Et toi, là? Qu'est-ce que tu branles ici, toi? On va vendre ça. Excusez-moi, je suis très fatigué. Je pense que je vais juste aller me coucher après le... Après la session de Final Fantasy. Oh, here, Lady Yuna is still gonna... I wonder if that means she and Mace. Just like Lady Yunales. Ta gueule. Et toi, qu'est-ce que tu fais par terre? Ah, tu t'es fait pousser. Oui, oui, Bevel s'en sera même pour faire. Oui, bien sûr, ta gueule. Je peux pas l'aider à se relever pour le repousser derrière? Kimari's up ahead. Go. Right. We will protect Yuna from anyone. Even a maester. this can't be happening. If it's really your fault, it must be done. Ah, mais c'est vrai que le temple, je le fais sur le retour, je le fais pas sur l'allée. Ah oui, c'est vrai. C'est un temple qu'on fait à l'envers, en vrai. J'avais oublié. Please be silent. Lady Yuna prays to the faith. Make me. Sphere. You killed him. What of it? Lady Yuna, certainly you knew of these things, did you not? Well then, why have you come here? I came... I came to stop you. I see. You came to punish me, then. Tu es un vilain garçon. What a pity. Ah, of course. Protect the summoner even at the cost of one's life. The code of the guardian. How admirable. Well, if you're offering your lives, I will have to take them. Maester Seymour, I trust my guardians with my life, but they are also my friends. I will not stand by and watch them be hurt. I will fight you too. All right. Maester Seymour! So be it. Seymour était méchant depuis le début! Ah! Scheiße! Ça veut dire zut. Ok, donc les deux résistent au physique et... Alors, Astus, on peut lui parler. Je peux parler aux sbires. On va parler à Seymour. The first time we met. Oh, my sincerest apologies. Seymour!
Seymour. Oh, ce Seymour. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression de l'avoir entendu tellement de fois. Seymour. Seymour. C'est quoi, non? C'est le même, non? Seymour. You may be a maester, but I will still fight. Your eyes, they burn with resolve. Beautiful. D'accord. J'imagine que son Ryuken ne marche pas. Donc ils ont 2000 HP les cocos de base. Il me semble qu'ils ont un truc du style auto-potion ou une connerie du genre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc il y a une technique pour les... qui s'arrête de faire auto-potion, il faut leur voler la potion. C'est marqué sur le descriptif et il n'y a pas de spoil. Bim, sodomie par le glaçon. C'est pas très agréable. Waka. Tu veux parler, Waka? Allez, parle au monsieur. T'as besoin de parler, Waka. Maester, we must stop this. This can't be happening. Il a même pas répondu, genre. Il a même pas daigné lui répondre. Chez Waka. Chez. Lulu va frapper après. D'abord, on va mettre au rond. Il va mettre un petit coup de dent de comète. Voilà. Allez, hop, 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 hop. Dent de comète est un dragon, je voulais dire, pardon. Ils font... Ah si, les deux vont faire auto-potion quand même. C'est chiant. Si... Ah non, plus qu'un parce que l'autre, je vais voler la potion. Tac, ils ont changé l'angle de la caméra, c'est un peu merdique. Pour les cibles. Ok, il reste donc Lulu. Qui va mettre un bon petit cyanure. Ah, Seymour, si ça marche. Ça marche, très bien. Très bien, très bien, très bien. On va mettre du coup Kimari. Lulu qui tank. Hein. Ah, le bâtard, il file un remède. Ah, je savais pas ça. Mais attends, je joue jamais, moi. Tiens, dégage, toi. Il a pas beaucoup de vie, en vrai. Oh, et c'est l'autre qui vient tanker à sa place. Évidemment. Tu veux tanker à sa place? Tiens, tanker à sa place. BTR. Salut Ishikuru. Je vais pas y arriver. Hein. J'arriverai jamais à le dire d'une traite comme ça sans me tromper. Ishikura Kuto. Je voudrais le dire avec l'accent, mais je n'y arrive pas. Comment vas-tu depuis le temps? Feel my pain. Déjà? Come, anima. Ça va, très fatigué, ça va être une session assez courte, genre vraiment très courte, c'est possible que dans une demi-heure j'arrête, mais ça va, ça va, ça va. On se remet sur une petite session de FF après une semaine d'absence de FF, à peu près. On va faire ça. 18 000 HP la petite anima. 3000 de dégâts, il met le bordel. 3000 de dégâts. Terrible. Lamento. C'est chiant ça. Ouais, voilà, c'est ça, c'est chiant. J'ai rien pour tanker l'effet de mort en début de partie. C'est très chiant. Anima se concentre, Anima se concentre, Anima se faire foutre, ça va aussi. Oh. Oh, est-ce que je peux lui mettre délai peut-être? Je pense pas que ça marche, mais non, ça marche pas. Ok, spéciaux, donc délai ça ne marche pas, on l'a dit, c'est parti. 3000, c'est insane, 3000 de dégâts. Insane. Est-ce que tu peux éviter de taper Tidus par exemple? Ok, Kimari ça me va. Tu veux stocker? Vas-y, stocke. Attends, tu vas voir. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Pas sûr que t'aies le temps de taper, hein. Spoiler. Pas sûr que t'aies le temps de taper. Il a 4000 HP? Ouais, non.
Et je vais même te niquer la gueule en overkill. C'est parti. Et bim. Et bim. Et le 3. Et le 4. Et le 5. Et le 6. Ah, que 6 couches. Je pense à 7, tu vois. Voilà. Tiens. Ta chimère, là, c'est moi. Foute là au cul, hein. That power that defeated Anima, it will be mine. Non. Mais qu'est-ce que tu dis? T'es complètement con. Mais mon pauvre type, t'es complètement con. Il pique quand même pas mal. Ah, j'aurais mis un petit critique, ça aurait été sympa. Il a blindage? Non, il a plus blindage. Ok. Tu m'attaques avec la foudre, je te punis par la foudre. Oh! On sait qu'elle allait faire genre du 2000 comme on fait d'habitude. Au rang à 0 résistance magique, c'est taille. Oh, y a, oh, Tidus, ça pue du cul. Oh, Tidus, ça pue du cul, ce qui se passe là. Voilà. Ça sentait le fiac. Ça sentait vraiment bien le fiac. Yuna, you would pity me now? Bah voilà, on a tué un maître de Yevon. Super. Lord Seymour, what happened here? What have I done? Bon, t'as rien fait, Waka. Je te rassure, t'as rien fait. Seymour struck first, he's the bad guy. You did this? Non, c'est pas moi. Yuna, send him. No, stop! Stay away from him, traitors! Traitors? We're finished. Now hold on just a minute. Seymour's the bad guy, right? We'll just explain to everyone what happened. It won't be that easy. Let's get out of here. Oups. Il a peut-être fait une connerie. Une sphère tech. Une sphère tech? What? Une sphère tech? Je me rappelle pas, c'est quoi une sphère tech? Alors j'imagine que c'est pas nouveau à la version remake, mais... Ah, sûrement pour se téléporter sur une technique activée par un allié. Probablement. Probablement. Shiva. Eh bien, on valide. C'est parti, la waifu. On va y aller, ok. Est-ce qu'il y aurait un manuel Albed par hasard par ici? Non. Alors on va enregistrer. Bah non, puisque les techniques, c'est des sphères compétences qu'il faut pour activer les techniques. Elle est presque au niveau de Kimari. Ah, même si tu es pas dessus. D'accord, ok. Alors c'est parti. Alors que tu aurais pu juste sauter en face en fait et ça aurait été aussi rapide. Let's go. On se partit. On va se faire chier à pousser les piliers. Alors, ici c'est bloqué, très bien.
Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai fait disparaître ça, très bien. Ça, putain, je... Les flashs que je prends, c'est terrible. Ok. Ici, on a quoi? Une sphère saut. Alors, je me rappelle de où est le truc. C'est genre par là. Genre par là. Bon, je m'en rappelle à peu près, donc il faut que je laisse le... Je laisse le truc. Faut que j'ai un petit glaçon pour arrêter le... l'hôtel quand je le balance, et puis après je pourrais changer d'angle et le balancer ailleurs, etc. etc. Il me semble que même quand on a la solution, il est assez long parce qu'il faut faire pas mal d'allers-retours. Il me semble. Il me semble. Ok. Du coup, ça ne me sert plus à rien. Parce que le donjon est pas compliqué, enfin le donjon, le truc est pas compliqué. Donc là si je mets ça ici, zou, ça fait rien, très bien, c'est exactement ce que je pensais. Si je mets ça ici, il se passe rien, c'est exactement ce que je pensais aussi. Non mais c'est bon, c'est cool, c'est facile. Si je mets la pierre ici, ça va activer le premier pilier, donc c'est ce que je veux faire en vrai. Et ce que je veux aussi, c'est activer le premier pilier, qu'on va faire ça de suite, comme ça au moins c'est fait. Hop, premier pilier activé. Voilà, donc le principe, ça va être de recomposer le chemin qui est en haut, tout simplement. Il y a une autre sphère là, mais ce que je veux faire aussi, c'est prendre la sphère qui est ici. Tac. La sphère saut, on va la mettre... par là, voir ce qui se passe. Il se passe rien, très bien, je le savais. Il faut que je la mette là. Et voilà. Hop là. Et je savais bien qu'il y avait un bout qui sortait. Avec une autre sphère de McLenia. Très bien, mais... Là où ça va être difficile, c'est qu'il me faut 3 sphères, et qu'actuellement j'en ai vraiment que 3. J'en ai une là. J'ai l'autre qui est en bas que j'ai mis, et celle qui est là qui me fait le chemin qui est là. Et oui. Parce que quoi si je fais ça? Et donc là, il faut vraiment que je mette la sphère de l'initié du coup. Ok. Il n'y a pas de surprise, au moins je sais que la sphère de l'initié est là. La seule surprise que j'ai, c'est à savoir comment je fais apparaître la sphère de l'initié. Et oui. Et de mémoire, voilà, il y a un truc ici. Faire le donjon en soi, il n'est pas compliqué, il me semble que... Mais faire le donjon pour récupérer le coffre, c'est déjà un peu plus dur, je crois. Je peux pas enlever la sphère. Si j'enlève ça, est-ce que ça redescend ou pas? Non, ça reste, très bien. Je vais pouvoir la mettre à la place alors, du coup, j'imagine que c'est ce que me dit le symbole. Hop. Absolument. Tout à fait ça. Je le savais. Nick. Si je fais ça... Ok, ça a disparu en haut, très bien. Ok. Donc si je fais ça, j'enlève le chemin qui est là, donc je ne peux plus descendre, mais ce n'est pas grave. Parce que je m'en fous.
J'avoue que j'ai un trou de mémoire. Ah ben, et oui. La sphère, elle est là, la sphère de l'initié. Ah. What the fuck, c'est gênant. Il faut que je pète ça. Ça y est, ça me revient. Ça me revient. Hop, et je crois qu'il faut que je crée un truc de glace ici. Non ? Merde. What the fuck ? What the fuck, bro ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ça ? Je vois bien que le chemin, il m'indique d'y aller, mais... Putain, j'ai recalé le chemin du milieu, donc c'est bon, on est bien, on est content. Comment je fais pour envoyer un truc dedans déjà, je m'en rappelle plus. Comme ça? Non, je passe à côté. Ah, c'est ça, je passe à côté. Je passe à côté. Attends. Spoil pas de suite. Spoil pas de suite. Qu'est-ce qui se passe du coup? Wow. Évidemment, il est pas en bas. Ah oui, ça me dit un truc, donc oui. C'est potentiellement ça, mais ouais. Oui, c'est ça, t'as raison. Ça me revient maintenant. Ça fait apparaître un truc qui brille en haut et ouais. C'est pour ça que je me rappelais qu'il était long. C'est, en fait, il est pas long, c'est juste qu'il faut aller à la sortie, ce qui est contre-intuitif. Ouais. On va remettre ça là-dessus. La sphère saut, pour le moment, j'en ai pas besoin. Tac. La glace est revenue, donc on va pouvoir faire ça. Après, je vais pas ban pour du backseat sur ce jeu. Je l'ai fait énormément de fois. C'est juste que j'ai oublié parce que, bon, voilà, fatigue, plus ça fait longtemps. Je veux dire, les temples, c'est pas non plus les trucs les plus intéressants du jeu, quoi. Pourquoi ça tombe ? J'ai un truc qui me va pas, là. Ça m'emmène en haut, d'accord, mais il me manque quand même une pierre, en vrai. Il me manque quand même une pierre. Enfin, j'ai les trois, mais le problème est que Wouhou. Enfin, non, je suis con. Pardon. Parce que non. En fait, non, c'est bon. On est bon. Tac. Ah, c'est fini. On en a combien? On en a 50. 49 minutes de VOD. Très bien. Donc, celui-là, il y est. Il ne reste plus que celui d'en haut à faire. Tac. Et tac. On active le troisième.
le chemin est recomposé, on va pouvoir monter. Mais le temple n'est pas fini pour autant, puisque... Voilà. Bah, il nous le montre en plus. Très bien. Très bien. Hop. Et c'est parti, let's go. Attends, par contre, il fallait le vider, c'est ça? Ah, fais chier. Relou. Relou. Du coup, j'ai une sphère coincée en haut. Il aurait fallu que je vide le plateau avant de l'envoyer. Qu'est-ce que je branle? En vrai, qu'est-ce que je branle là? Ouais, t'as rien branlé. En fait, je suis en train de m'endormir, ce qui fait que je ne réfléchis pas à ce que je fais. Je prends des sphères, je déplace. N'importe quoi. N'importe quoi. Allez, oui, je sais. On va refaire le pic ici pour pouvoir déplacer le bordel. Faut que je le remette en bas. La sphère d'initié, je sais où elle va, je l'ai dit au début. Il y a un trou qui n'a réagi à aucun type de sphère, donc ça veut dire que c'était pour la sphère initiée. Ce qui n'est pas compliqué, donc il faut que la sphère d'initié, je l'amène là-bas. C'est tout. Qu'est-ce que je prends à vouloir redescendre le truc en bas, mais... N'importe... Je m'en fous, je veux juste descendre, moi. Avec la sphère d'initié, je m'en fous d'amener la stèle. Je sais pas ce que je fais. En vrai, je pense que... Je pense que mon cerveau, il est en train de se dire « Putain, il a pris de la drogue ou quoi ?» En vrai, je sais pas ce que je dis. Je suis fatigué. Le gros coup de barre que j'ai. Allez, la sphère d'initié est là. Hop, tac. File-moi mon trésor. Paf, voilà. Allez, ça fait des chocs à pic. C'est bon? Allez, let's go. Sphère chance. C'est pas terrible, mais il me les faut tous, ces trésors, donc... c'est une obligation, hein. Ce n'est pas par plaisir que je le fais. Tac. Ça, je le remets là-dedans. Hop. On repart en haut. Hop. Il est vide, donc on peut l'envoyer. C'est parti, let's go. On va récupérer la sphère que j'ai coincée en haut. Voilà. Et on va pouvoir refaire le chemin pour partir. C'est parti. C'est parti. La sphère. On crée la glace. C'est ça qui est long, c'est qu'en fait, il faut refaire les mêmes trucs en boucle. 5-6 fois d'affilée. C'est chiant. Puis les animations sont un peu longues, hein, on va pas se cacher aussi. J'espère que je pourrai enregistrer après le temple. Parce que... Après je me rappelle, il y a un petit passage un peu long quand même. Et vu que je suis très fatigué, j'aimerais bien... voir arrêter avant de faire le long passage. Parce que le long passage, il y en a pour facilement une demi-heure minimum. Je le ferai, si je peux pas enregistrer, je le ferai, mais si je peux enregistrer, je le ferai pas. Voilà. Sous l'aide. Non, très fatigué en vrai. Non, mais pousse. Pousse. Allez, le temple est terminé, mais comme ça, au moins, vous auriez... Ok, si je peux save, alors ça va. Sur YouTube, vous avez la solution du temple maintenant, presque optimisée. Oh, j'ai mal à ouvrir les yeux quand je les ferme pour cligner des yeux.
C'est terrible. Du coup, je suis désolé, je vais pas jouer à LoL après. Je vais aller me pioter. Genre, je vais même pas regarder de vidéo ou quoi, je vais juste aller me pioter. Je vais même pas faire de Lost Ark ni rien. Juste dormir en fait. Aïe, on se tire. À la limite. Ah non, mais ils vont pas vouloir que je fasse du blitz. Je vais dire à la limite, je fais un petit match de blitz. Et Give us a chance to explain. No need. I already know what I'll tell the other maesters. Meaning? Lord Seymour was the leader of the Guado before becoming a maester. You're not letting us go. Let you go? Lord Seymour would never forgive us if we did. Wait, wait! Jiskel's sphere! We can show it to them! You mean this? Hey! The Guado take care of Guado affairs. Away! Run! Oh, je peux pas jouer au Blitz. Alors, on a quoi? On a 56 minutes des VOD. C'est court en vrai. Écoute YouTube. Écoute YouTube. Alors, pour faire. Pour me faire pardonner de faire une session courte, on va faire un peu de sphère. On va voir ce que c'est cette sphère technique que j'ai eue là. Ah, une technique activée par un allié sûrement déjà. C'est ça. Ok. Du coup, ok, ok. Est-ce que par technique on entend aussi sorts ou pas? Non. Non, pas les sorts, juste les techniques. D'accord, ok, ok. Bon ben voilà, au moins on sait ce que c'est maintenant les... Les tech... on va aller là, je peux pas aller plus loin. On a un petit Somme X ici, j'aurais préféré Booster X d'abord, mais ça arrivera après. Yep, 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 yep. Et je me rappelais pas, le fait d'avoir eu des sphères jaunes comme ça, ça m'a fait bizarre. Les petites sphères compétences, j'en ai que 50 en vrai. Bon, c'est large, mais à surveiller quand même au niveau du stock. Tac, tac. Est-ce que je mettrai pas Oran sur Somni X? Que non, j'ai Trépang ici, il faut que j'aille chercher le plus vite possible. Trépang, c'est juste insane. Beaucoup trop fort. Beaucoup de sphères vides hein, du côté de Riku. Ici, on a quoi? On a de la force. On a pied. Pied qui est assez important en vrai. Parce que si je vais là, on a quoi? Dissipation. Boomerang. Et on repart sur la sphère Yayuna, je pense. Carapace. Yep. Donc je peux la faire partir sur le Sphaya Yuna. C'est-à-dire que Yuna peut partir sur le Sphaya Riku, c'est-à-dire que Yuna peut devenir une voleuse. Ben super. C'est parce qu'elle est à moitié albed qu'ils font ça ou... Incroyable le jeu là. Full raciste. Allez, let's go. 3 points d'esquive pour Kimari, de la précision. C'est cool, mais pas de force par contre. C'est dommage. Ah oui, Waka était devenu une brute épaisse sur les derniers levels. On va lui faire apprendre la compétence qui est juste à côté. Ah, profitez de cette musique de... Cette musique de stress, hein, YouTube, parce que, voilà. C'est tout ce que vous aurez comme situation stressante ce soir. Attends, j'ai fait quoi, là? Il y a la blindage. Ici, elle a soin plus. C'est chiant parce que soin... En fait, la magie de soin et la magie blanche de protection, style blindage, carapace, mouvement, tout ça, c'est pas sur, sur la même ligne. C'est très très dommage. Ouais.
Alors, est-ce que je fais partir Yuna sur les champs plus comme elle est censée avoir de base, ou est-ce que je la fais partir sur sur la carapace ici, aller chercher quand même. Derrière, elle a boomerang et après on remonte sur dissipation et tout ça. Et si je prends pas ce passage là, si je prends pas carapace, sachant que elle a blindage, c'est complètement con de ne pas lui apprendre carapace. Ben voilà quoi, je pense que je vais la faire partir par là. Je la fais récupérer blindage carapace et derrière je la fais partir sur soin plus, je pense. Après en combat je me soigne très peu. Bon. Ok, on est bon, on peut retourner au menu, le Sphaya a été fait. Je sauvegarde encore une fois. YouTube, je te dis au revoir. Alors YouTube, par contre, je vais pas mettre pause. Enfin, je vais mettre pause plutôt, je veux dire, parce que les gens sortent de la porte pour venir m'agresser sinon. Donc voilà. Donc YouTube, écoute, merci d'avoir regardé. Je te dis à la semaine prochaine. C'était cool, encore une fois. C'était très court, désolé, je suis très fatigué. Donc je vais juste aller dormir. Non, vous avez quand même une heure de VOD, vous allez pouvoir vous faire chier un petit peu. Donc à la prochaine. Merci d'avoir regardé. Ciao.